Graphone, avec la même autorisation des éditions Bernard Grasset, présente. Le pendule de Foucault, deuxième partie, d'Umberto Eco. Gibourra. Bévilus, Démenès, Adoulex. Le bris des vases. Diotalévi nous parlerait souvent du cabalisme tardif d'Isaac Luria, où se perdait l'articulation ordonnée des séphirotes. La création, disait-il, est un processus d'inspiration et d'expiration divine, comme une haleine anxieuse ou l'action d'un soufflet. Le grand asthme de Dieu, glosait Belbo. Essaie-toi de créer à partir de rien. C'est une chose qu'on ne fait qu'une seule fois dans sa vie. Dieu, pour souffler le monde comme on souffle une fiole de verre, a besoin de se contracter en lui-même pour prendre sa respiration. Et puis il émet le long sifflement lumineux des 10 séphirotes. Sifflement ou lumière? Dieu souffle et la lumière fut. Multimédia. Mais il est nécessaire que les lumières des séphirotes soient recueillies dans des récipients capables de résister à leur splendeur. Les vases destinés à accueillir Keter, Okma et Bina résister à leur éclat. Tandis qu'avec les séphirotes inférieures, depuis Esed jusqu'à Yezod, lumière et soupir se dégagèrent d'un seul coup et avec trop de vigueur, et les vases se brisèrent. Les fragments de la lumière se dispersèrent à travers l'univers et il en acquit la matière grossière. Le bris des vases est une catastrophe sérieuse, disait Diotalévi soucieux. Rien de moins vivable qu'un monde avorté. Il devait y avoir un défaut dans le cosmos dès les origines, et les rabbins les plus savants n'avaient pas réussi à l'expliquer tout à fait. Peut-être qu'au moment où Dieu expire et se vide, il reste dans le récipient originaire des gouttes d'huile, un résidu matériel, le réchimou, et Dieu déjà se propage en même temps que ce résidu. Ou bien, quelque part, les coquilles, les kélipotes, les principes de la ruine attendaient, sournois, à l'affût. Jean visqueux, les kélipotes, disait Belbo. Agent du diabolique docteur Fu Manchu. Et puis, expliquait patient Diotalévi, à la lumière du jugement sévère, de Gébourra, dit aussi Pachad, ou Terreur, la séphira où, selon Isaac l'aveugle, le mal s'exhibe. Les coquilles prennent une existence réelle. Elles sont parmi nous, disait Belbo. Regarde autour de toi, disait Diotalévi. Mais on en sort? On rentre plutôt, disait Diotalévi. Tout émane de Dieu dans la contraction du Tsimtsum. Notre problème, c'est de réaliser le retour, la réintégration de l'Adam Kadmon. Alors nous reconstruirons le tout dans la structure équilibrée des Partsoufim, les visages. Autrement dit, les formes qui prendront la place des séphirotes. L'ascension de l'âme, tel un cordon de soie, permet à l'intention dévote de trouver comme un tâton dans l'obscurité le chemin vers la lumière. Ainsi, le monde, à chaque instant, combinant les lettres de la Torah, s'efforce de retrouver la forme naturelle qui le fasse sortir de son effroyable confusion. Et c'est ce que je suis en train de faire, moi, à présent, en pleine nuit, dans le calme innaturel de ces collines. Mais l'autre soir, dans le périscope, je me trouvais encore enveloppé de la bave visqueuse des coquilles, que je sentais autour de moi, imperceptible escargot, incrusté dans les vasques de cristal du conservatoire, confondu au milieu des baromètres et des roues rouillées d'horloges en sourde hibernation. Je pensais que si Brivaz y eut, la première fêlure se forma sans doute ce soir-là, à Rio, durant le rite. Mais ce fut à mon retour au pays que se produisit l'explosion. Lente, sans fracas, si bien que nous nous trouvâmes tous pris dans la boue de la matière grossière où des créatures vermineuses éclosent par génération spontanée. J'étais revenu du Brésil sans plus savoir qui j'étais. J'approchais désormais de la trentaine. À cet âge, mon père était père, il savait qui il était et où il vivait. J'étais resté trop loin de mon pays, alors que s'y passaient de grands événements, et j'avais vécu dans un univers gonflé d'incroyables, où même les affaires italiennes parvenaient avec un halo de légendes. Peu avant de quitter l'autre hémisphère, tandis que j'achevais mon séjour, en offrant un voyage aérien au-dessus des forêts de l'Amazonie, il me tomba sous les yeux un quotidien local embarqué pendant une halte à Fortaleza. En première page, s'étalait la photo de quelqu'un que je reconnus pour l'avoir vu siroter de petits blancs pendant des années chez Pilade.
La légende disait « O homem que matou moro ». Naturellement, comme je l'appris à mon retour, ce n'est pas lui qui avait assassiné Moro. Lui, de loin la piste avait chargé, il se serait tiré dans l'oreille pour vérifier s'il marchait. Il avait seulement été présent au moment où la police politique faisait irruption dans un appartement. Quelqu'un y avait caché 3 pistolets et 2 pains d'explosifs sous le lit. Lui, il se trouvait sur le lit, extatique, parce que c'était l'unique meuble de cette pièce unique qu'un groupe de rescapés de 68 louait en société pour satisfaire les besoins de la chair. Si l'ameublement ne s'était pas réduit à une affiche des Inti Illimani, on aurait pu l'appeler une garçonnière. Un des locataires était lié à un groupe armé, et les autres ignoraient qu'il lui finançait une planque. Ainsi avaient-ils tous fini en cabane pendant 1 an. De l'Italie des dernières années, j'avais compris bien peu de choses. Je l'avais quitté au bord de grands changements, me sentant presque en faute parce que je m'enfuyais au moment de la reddition des comptes. Quand j'étais parti, je savais reconnaître l'idéologie de quelqu'un au ton de sa voix, à la tournure de ses phrases, à ses citations canoniques. Je revenais et je ne comprenais plus qui était avec qui. On ne parlait plus de révolution, on citait le désir. Qui se disait de gauche mentionnait Nietzsche et Céline, les revues de droite célébraient la révolution du tiers-monde. Je revins chez Pilade, mais je me sentis en terre étrangère. Restait le billard. Il y avait plus ou moins les mêmes peintres, mais la faune juvénile avait changé. J'appris que certains des vieux habitués avaient désormais ouvert des écoles de méditation transcendantale et des restaurants macrobiotiques. Je demandai si quelqu'un avait déjà ouvert une tente de Ubanda. Non, sans doute étais-je en avance, j'avais acquis des compétences inédites. Pour complaire au noyau historique, Pilade hébergeait encore un flipper modèle ancien de ceux qui paraissaient maintenant copiés de Liechtenstein et avaient été achetés en masse par les antiquaires. Mais à côté, prise d'assaut par les plus jeunes, s'alignaient d'autres machines à écran fluorescent, où planaient en escouade faucons boulonnés, kamikazes de l'espace extérieur, ou une grenouille qui sautait le coq à l'âne en émettant des borborygmes en japonais. Pilade clignotait désormais de lumière sinistre. Et peut-être que devant l'écran de Galactica étaient aussi passés les messagers de Brigade Rouge en mission d'enrôlement. Mais ils avaient certainement dû abandonner le flipper, parce qu'on ne peut pas y jouer en gardant un pistolet dans sa ceinture. Je m'en rendis compte quand je suivis le regard de Belbo qui se fixait sur Lorenza Pellegrini. Je compris de manière imprécise ce que Belbo avait compris, avec une plus grande lucidité, et que j'ai trouvé dans un de ses fils. Lorenza n'est pas nommée, mais il est évident qu'il s'agit d'elle. Elle seule jouait au flipper de cette façon. Film name, flipper. On ne joue pas au flipper qu'avec les mains, mais aussi avec le pubis. Au flipper, le problème n'est pas d'arrêter la bille avant qu'elle soit avalée à l'embouchure, ni de la reprojeter à mi-terrain avec la foule d'un arrière-droit, mais de l'obliger à s'attarder en amont, où les cibles lumineuses sont plus abondantes, en rebondissant de l'une à l'autre, en circulant déboussolée et démente, mais de sa propre volonté. Et ça, on l'obtient non pas à force de coups à la bille, mais en transmettant des vibrations à la caisse portante, et d'une manière douce, afin que le flipper ne s'en rende pas compte et ne fasse pas tilt. On ne peut le faire qu'avec le pubis, mieux, avec un jeu de hanches, de façon que, plus que donner des coups, le pubis frotte. Et toujours on se retient en deçà de l'orgasme. Et plus que le pubis, si la hanche se meut selon nature, ce sont les fesses qui donnent le coup en avant, mais avec grâce, de sorte qu'au moment où l'élan arrive au pubis, il est déjà amorti. Comme pour l'homéopathie, plus on a imposé de succussion à la solution, et la substance est désormais presque dissoute dans l'eau qu'on ajoute au fur et à mesure, jusqu'à presque complètement disparaître, plus l'effet médicamenteux est puissant. Et voici que du pubis, un courant infinitésimal se transmet à la caisse, et que le flipper obéissant se névrosait. La bille roule contre nature, contre l'inertie, contre la gravité, contre les lois de la dynamique, contre l'astuce du constructeur qui l'omet fugace. Et elle s'enivre de vis movendi, reste en jeu pendant des temps mémorables et immémoriaux. Mais il faut un pubis de femme, qui n'interpose pas de corps caverneux entre les lions et la machine,
et qu'il n'y ait pas de matière érectile au milieu, mais seulement peau, nerfs, os, moulé par le père de Jim, et une fureur érotique sublimée, une frigidité malicieuse, une adaptabilité désintéressée à la sensibilité du partenaire, un goût d'en attiser le désir sans souffrir de l'excès du sien propre. L'Amazone doit rendre fou le flipper et jouir d'avance du fait qu'ensuite elle l'abandonnera. Je crois que Belbo est tombé amoureux de Lorenza Pellegrini à ce moment-là, lorsqu'il a senti qu'elle pourrait lui promettre un bonheur impossible. Je crois qu'à travers elle, il commençait à éprouver le caractère érotique des univers automatiques, la machine comme métaphore du corps cosmique et le jeu mécanique comme évocation talismanique. Il était déjà en train de se droguer avec Abou Lafia et peut-être était-il, dès cette époque, entré dans l'esprit du projet Hermès. Il avait certainement déjà vu Pendule, que Lorenza Pellegrini, je ne sais par quel court-circuit, lui promettait. Les premiers temps, j'avais eu de la peine à me réadapter à Pilade. Peu à peu, et pas tous les soirs, au milieu d'une foule de visages étrangers, je découvrais ceux familiers des survivants, même brouillés par l'effort de la reconnaissance. Qui copywriter dans une agence publicitaire, qui conseiller fiscal, qui vendeur de livres à crédit. Mais si, avant ils plaçaient les œuvres du Tché, maintenant ils offraient de l'herboristerie, du bouddhisme, de l'astrologie. Je les revis un peu blaise, quelques fils blancs dans les cheveux, un verre de whisky entre les mains, et j'eus l'impression que c'était le même bébé qu'il y a 10 ans, qu'il l'avait dégusté avec lenteur, une goutte par semestre. Qu'est-ce que tu deviens ? Pourquoi tu te fais plus voir chez nous ? Me demanda l'un d'entre eux. Qui vous êtes-vous à présent ? Il me regarda comme si j'avais été absent pendant 100 ans. Va pour le département de la culture, non ? J'avais manqué trop de répliques. Je décidai à m'inventer un travail. Je m'étais aperçu que je savais beaucoup de choses, toutes sans liens entre elles, mais que j'étais en mesure de les relier en quelques heures, au prix de 2 ou 3 visites dans une bibliothèque. J'étais parti quand il fallait avoir une théorie et je souffrais de ne pas en avoir une. À présent, il suffisait de posséder des notions, tous en étaient friands, et tant mieux si elles étaient inactuelles. À l'université aussi, où j'avais remis les pieds pour voir si je pouvais me placer quelque part, les amphis étaient calmes, les étudiants glissaient dans les couloirs comme des fantômes, se prêtant à tour de rôle des bibliographies bâclées. Moi, je savais faire une bonne bibliographie. Un jour, un étudiant en dernière année de licence me prenant pour un professeur, les enseignants avaient désormais le même âge que les enseignés ou vice-versa, me demanda ce qu'avait écrit ce Lord Chandos, dont on parlait dans un cours sur les crises cycliques en économie. Je lui dis que c'était un personnage de Hoffmannsthal, pas un économiste. Ce même soir, j'étais à une fête de vieux amis, et je reconnus un quidam qui travaillait pour une maison d'édition. Il y était entré après que la maison avait cessé de publier des romans de collaborationnistes français pour se consacrer à des textes politiques albanais. Je découvris qu'on faisait encore de l'édition politique, mais dans l'ère gouvernementale. Sans toutefois négliger quelques bons livres de philosophie d'un genre classique, me précisa-t-il. À propos, me dit-il, toi qui es philosophe. Merci, malheureusement pas. Allez, c'était quelqu'un qui savait tout à ton époque. Aujourd'hui, j'ai envoyé la traduction d'un texte sur la crise du marxisme quand je suis tombé sur une citation d'un certain Anselme of Canterbury. Qui est-ce ? Je ne l'ai pas même trouvé dans le dictionnaire des auteurs. Je lui dis qu'il s'agissait d'Anselme d'Aoste. Seulement, les Anglais l'appellent comme ça parce qu'ils veulent toujours se distinguer des autres. J'eus une illumination. J'avais un métier. Je décidai de mettre sur pied une agence d'information culturelle. Comme une espèce de fric du savoir. Au lieu de fourrer le nez dans les bars de nuit ou dans les bordels, je devais écumer les librairies, bibliothèques, couloirs d'instituts universitaires, et puis rester dans mon bureau, les pieds sur la table, et un verre en carton avec du whisky, monté dans un sac en papier par l'épicier du coin. Un type te téléphone et te dit « Je suis en train de traduire un livre et je me heurte à un certain ou à des motocalénines. Je n'arrive pas à en venir à bout. » Toi, tu n'as pas la réponse, mais peu importe. Tu demandes 2 jours de temps. Tu vas feuilleter quelques fichiers en bibliothèque, tu offres une cigarette au bonhomme du bureau de consultation, tu tiens une piste. Le soir, tu invites un assistant S-islamisme au bar, tu lui paies une bière, 2, il relâche son contrôle, te donne l'information que tu cherches pour rien.
Ensuite, tu appelles le client. Donc, les motokalamines étaient des théologiens radicaux musulmans des temps d'Avicenne. Ils affirmaient que le monde était, comment dire, un poudroiement d'accidents et se coagulait en forme seulement par un acte instantané et provisoire de la volonté divine. Il suffisait que Dieu soit distrait un moment et l'univers tombait en morceaux. Pure anarchie d'atomes sans signification. Ça suffira. J'y ai travaillé 3 jours. Faites votre prix. J'ai eu la chance de trouver 2 pièces plus qu'en cuisine dans un vieux bâtiment de la périphérie qui devait avoir été une fabrique avec une aile pour les bureaux. Les appartements qu'on en avait tirés s'ouvraient tous sur un long couloir. Je me trouvais entre une agence immobilière et l'atelier d'un empailleur d'animaux, à salon taxidermiste. On avait l'impression d'être dans un gratte-ciel américain des années 30. Il m'aurait suffi d'avoir la porte vitrée et je me serais pris pour Marlowe. J'installais un divan-lit dans la seconde pièce et le bureau dans l'entrée. Je plaçais sur 2 rayonnages des atlas, des encyclopédies, des catalogues que j'achetais petit à petit. Au début, je dus pactiser avec ma conscience et écrire aussi des mémoires pour les étudiants désespérés. Ce n'était pas difficile, il suffisait d'aller copier ceux de la décennie précédente. Et puis mes amis éditeurs m'envoyaient des manuscrits et des livres étrangers en lecture, naturellement les plus ingrats et pour rétribution modique. Mais j'accumulais des expériences, des notions, et je ne jetais jamais rien. Je fichais tout. Je ne pensais pas à tenir mes fiches sur un computer. Ils entraient dans le commerce juste à cette époque et Belbeau serait un pionnier. Je procédais avec des moyens artisanaux, mais je m'étais créé une sorte de mémoire faite de petits rectangles de carton tendre avec des références croisées. Kant, nébuleuse, Laplace, Kant, Königsberg, les 7 pontes de Königsberg, théorème de la topologie. Un peu comme ce jeu qui vous met au défi d'aller de saucisse à Platon en 5 passages par association d'idées. Voyons. Saucisse, cochon, soie, pinceau, maniérisme, idée, Platon. Facile. Même le manuscrit le plus invertébré me faisait gagner 20 fiches pour mon chapelet informatique. Mon critère était rigoureux, et je crois que c'est le même qui est suivi par les services secrets. Il n'y a pas d'informations meilleures les unes que les autres. Le pouvoir, c'est de toutes les ficher. Et puis, de chercher les rapports. Les rapports existent toujours, il suffit de vouloir les trouver. Après environ 2 ans de ce travail, j'étais satisfait de moi-même. Ça m'amusait. Et entre-temps, j'avais rencontré Lia. Je suis Lia. Lia. À présent, je désespère de la revoir. Mais je pourrais ne l'avoir jamais rencontrée et c'eût été pire. Je voudrais qu'elle soit ici, pour me tenir la main, tandis que je reconstitue les étapes de ma ruine. Parce qu'elle me l'avait dit, elle. Mais elle doit rester en dehors de cette histoire. Elle et l'enfant. J'espère qu'ils retarderont leur retour, qu'ils arriveront quand les choses seront finies, quelle que soit la façon dont elles finiront. C'était le 16 juillet 1981. Milan se dépeuplait, la salle de lecture de la bibliothèque était presque vide. Je te fais remarquer que le tome 109, j'allais le prendre, moi. Et alors, pourquoi tu l'as laissé sur l'étagère? J'étais allé à la table contrôler une note. Ce n'est pas une excuse. Obstinée, elle avait rejoint la table avec son tome. Je m'étais assis en face d'elle et je cherchais à apercevoir son visage. Comment tu fais pour lire? C'est pas du braille, avais-je demandé. Elle avait levé la tête et vraiment je ne comprenais pas si c'était le visage ou la nuque. Comment? Avait-elle demandé. Ah, je vois très bien à travers. Mais pour le dire, elle avait soulevé sa touffe de cheveux et ses yeux étaient verts. Tu as les yeux verts, lui avais-je dit. Je crois. Pourquoi? C'est mal? Tu parles, il s'en faut. Ça a commencé comme ça. Mange, tu es maigre comme un clou, l'avait-elle dit au dîner. À minuit, nous étions encore dans le restaurant grec, à côté de chez Pilade, avec la bougie presque liquéfiée sur le col de la bouteille, en train de tout nous raconter. Nous faisions quasi le même métier. Elle renvoyait des articles d'encyclopédie. J'avais l'impression de devoir lui dire une chose. À minuit et demi, elle avait déplacé sa touffe pour mieux me regarder. Moi, j'avais pointé mon index sur elle en tenant le pouce levé. Et je lui avais fait « poum ». C'est étrange, avait-elle dit. Moi aussi. Ainsi étions-nous devenus chair d'une seule chair.
Et depuis ce soir-là, pour elle, j'avais été paume. Nous ne pouvions pas nous permettre un nouveau domicile. Je dormais chez elle. Et elle restait souvent avec moi au bureau. On partait à la chasse parce qu'elle était plus forte que moi pour suivre nos pistes, et elle savait me suggérer des connexions précieuses. Il me semble que nous avons une fiche à moitié vide sur les Rose Croix, me disait-elle. Il faut que je la reprenne un jour ou l'autre, ce sont des notes du Brésil. Bon, alors mets un croisement avec Yet. Et quel rapport avec Yet? Le rapport? Je lis ici qu'il était affilié à une société Rose Croix qui s'appelait Stella Matutina. Que ferais-je sans toi? Je m'étais remis en haute épilade, car c'était comme une place des affaires. J'y trouvais des commandes. Un soir, je revis Belbo au cours des années précédentes, il devait y être rarement venu, et puis il y était retourné après avoir rencontré Lorenza Pellegrini. Toujours le même, peut-être un peu plus grisonnant, légèrement amaigri, très légèrement. Ce fut une rencontre cordiale, dans les limites de son expansivité. Quelques boutades sur le bon vieux temps, de sombres réticences sur les derniers événements qui nous avaient vus complices, et sur ses retombées épistolaires. Le commissaire De Angelis ne s'était plus manifesté. Affaire classée, qui peut savoir? Je lui parlais de mon travail, et il eut l'air intéressé. Au fond, c'est ce que j'aimerais faire. Le Sam Spad de la culture, 20 dollars par jour, plus les frais. Mais aucune femme mystérieuse et fascinante ne pousse ma porte, et personne ne vient me parler du faucon maltais, dis-je. On ne sait jamais. Vous vous amusez? Si je m'amuse, lui demandai-je, et le citant, c'est la seule chose qu'il me semble pouvoir bien faire. Good for you, répondit-il. Nous nous vîmes d'autres fois. Je lui racontais mes expériences brésiliennes, mais je me trouvais toujours un peu distrait, plus que d'habitude. Quand Lorenza Pellegrini n'était pas là, il fixait la porte des yeux. Quand elle était là, il dirigeait avec nervosité son regard à travers le bar et il suivait ses mouvements. Un soir, c'était déjà vers l'heure de fermeture, il me dit en regardant ailleurs, « Écoutez, nous pourrions avoir besoin de vous, mais pas pour une consultation intermittente. Vous pourriez nous consacrer, disons, quelques après-midi par semaine. » On peut voir. De quoi s'agit-il? Une entreprise sidérurgique nous a commandé un livre sur des métaux. Quelque chose qui serait raconté principalement par image, plutôt grand public, mais sérieux. Vous voyez le genre? Les métaux dans l'histoire de l'humanité, depuis l'âge de fer jusqu'aux alliages pour les vaisseaux spatiaux. Nous avons besoin de quelqu'un qui fasse les bibliothèques et les archives pour trouver de belles images, de vieilles miniatures, des gravures de livres du 19e siècle, que sais-je encore, sur la fusion ou le paratonnerre. D'accord, je passe demain chez vous. Lorenza Pellegrini s'approche de lui. C'est ma campagne chez moi. Pourquoi moi, ce soir? Demanda Belbo. Parce que tu es l'homme de ma vie. Il rougit, comme il pouvait rougir, lui, en regardant encore plus ailleurs. Il lui dit, il y a un témoin. Et à moi, je suis l'homme de sa vie, Lorenza. Ciao. Ciao. Il se leva et lui murmura quelque chose à l'oreille. « Ça n'a rien à voir, dit-elle. Je t'ai demandé si tu peux m'accompagner chez moi avec ta voiture. »« Ah, dit-il, excusez-moi, Cassobon. Je dois faire le taxi driver pour la femme de la vie, de je ne sais qui. »« Idiot, dit-elle avec tendresse. » Et elle lui donna un baiser sur la joue. Permettez-moi en attendant de donner un conseil. On voyait bien que Belbo était lié de quelque façon à Lorenza Pellegrini. Je ne comprenais pas avec quelle intensité, ni depuis quand. Pas même les fils d'Aboulafiane m'ont aidé à reconstituer l'histoire. Par exemple, pas de date au fil sur le dîner avec le docteur Wagner. Le docteur Wagner, Belbo le connaissait avant mon départ. Et il aurait eu des rapports avec lui même après le début de ma collaboration aux éditions Garamond, tant et si bien que je l'ai approché moi aussi. Par conséquent, le dîner pourrait précéder ou suivre la soirée que je me rappelle. S'il la précède, je comprends l'embarras de Belbo, son désespoir retenu. Le docteur Wagner, un Autrichien qui depuis des années professait à Paris, d'où la prononciation Wagner pour qui voulait faire l'habitué, depuis environ 10 ans était régulièrement invité à Milan par deux groupes révolutionnaires de l'immédiat après 68. Il se les disputait, et chaque groupe donnait bien sûr une version radicalement alternative de sa pensée.
comment et pourquoi cet homme célèbre avait accepté de se faire sponsoriser par les extras parlementaires, je ne l'ai jamais compris. Les théories de Valmer n'avaient pour ainsi dire pas de couleur, et il pouvait, s'il le voulait, se faire inviter par les universités, par les cliniques, par les académies. Je crois qu'il avait accepté l'invitation des deux groupes parce qu'il était au fond un épicurien et exigeait des remboursements de frais princiers. Les privés pouvaient rassembler plus d'argent que les institutions. Et pour le docteur Valmer, cela signifiait voyage en première classe, hôtel de luxe, plus les honoraires pour conférences et séminaires, calculés selon son barème de thérapeute. Quant à savoir pourquoi les deux groupes trouvaient une source d'inspiration idéologique dans les théories de Valmer, c'était une autre histoire. Mais en ces années-là, la psychanalyse de Valmer avait l'air assez déconstructive, diagonale, libidinale, pas cartésienne, au point de suggérer des occasions théoriques à l'activité révolutionnaire. Faire digérer ça aux ouvriers paraissait compliqué, et c'est peut-être la raison pour laquelle les deux groupes, à un moment donné, furent contraints de choisir entre les ouvriers et Valmer, et ils choisirent Valmer. L'idée fut élaborée que le nouveau révolutionnaire n'était pas le prolétaire, mais le déviant. Au lieu de faire dévier les prolétaires, mieux vaut prolétariser les déviants. Et c'est plus facile, vu les prix du docteur Valmer, me dit un jour Belbeau. La révolution des Valmériens fut la plus coûteuse de l'histoire. Les éditions Garamond, financées par un institut de psychologie, avaient traduit un recueil d'essais mineurs de Valmer, très technique, mais désormais introuvable, et donc très demandé par les fidèles. Valmer était venu à Milan pour la présentation, et en cette circonstance, avait commencé sa relation avec Belbeau. Phil Name, Dr. Valmer. Le diabolique Dr. Valmer, 26e épisode. Qui, en cette grise matinée du... Au débat, je lui avais adressé une objection. Le satanique vieillard en fut certes irrité, mais il ne le laissait pas deviner. Mieux, il répondit comme s'il avait voulu me séduire. On aurait dit Charlus avec Jupien, abeille et fleur. Un génie ne supporte pas de ne pas être aimé et il lui faut aussitôt séduire qui n'est pas d'accord, afin que ce dernier l'aime ensuite. Il a réussi. Je l'ai aimé. Mais il ne devrait pas m'avoir pardonné. Parce que ce soir du divorce, il m'a asséné un coup mortel. Sans le savoir, d'instinct. Sans le savoir, il avait cherché à me séduire et sans le savoir, il a décidé de me punir. Au mépris de la déontologie, il m'a psychanalysé gratis. L'inconscient mord même ses gardiens. Histoire du marquis de Lampemac, dans 93. Le bateau des Vendéens vogue dans la tempête au large des côtes bretonnes. Soudain, un canon se détache de sa gournable. Et, alors que le navire roule et tangue, commence une course folle d'une bordée à l'autre, et cette énorme bête risque de défoncer bâbord et tribord. Un canonnier, là justement celui dont l'incurie a fait que le canon n'était pas assuré comme il fallait, avec un courage sans égal, une chaîne à la main, se jette presque sous le monstre qui va le broyer et immobilise le gournable, le ramène à sa mangeoire, sauvant le navire, l'équipage, la mission. Avec une sublime liturgie, le terrible Lampemac fait mettre les hommes en rang sur le pont. Loupe le hardi marin, ôte de son cou une importante décoration, la lui remet, lui donne la collade, tandis que l'équipage crie au ciel ses hurrahs. Puis, Lampemac inébranlable rappelle que lui, le décoré, il est le responsable de l'accident. Et il donne l'ordre qu'il soit fusillé. Splendide Lampemac, virtuose, juste et incorruptible. C'est ce que fit avec moi le docteur Valmer. Il m'honora de son amitié et il me tua en me donnant la vérité. Et il me tua en me révélant ce que je voulais vraiment. Et il me révéla ce dont, le voulant, j'avais peur. Histoire qui commence dans les petits bistrots. Besoin de tomber amoureux. Certaines choses, tu les sens venir. Ce n'est pas que tu tombes amoureux parce que tu tombes amoureux. Tu tombes amoureux parce que, dans cette période, tu avais un besoin désespéré de tomber amoureux. Dans une période où tu te sens l'envie de tomber amoureux, tu dois faire attention où tu mets les pieds. Comme avoir bu un filtre de ceux qui te font tomber amoureux du premier être que tu rencontres. Ce pourrait être un ornithorynque. Parce que j'en ai éprouvé le besoin justement cette période. Car depuis peu, j'avais cessé de boire. Rapport entre foi et cœur.
un nouvel amour est un bon motif pour se remettre à boire. Quelqu'un avec qui aller de petit bar en petit bar, se sentir bien. Le petit bar est bref, furtif. Il te permet une longue, douce attente durant tout le jour, jusqu'à ce que tu ailles te cacher dans la pénombre au fond des fauteuils de cuir à 6h de l'après-midi. Il n'y a personne, la clientèle sordide viendra dans la soirée, avec le pianiste. Choisir un américain bar, équivoque, vide, en fin d'après-midi, le serveur ne vient que si tu l'appelles 3 fois, et qu'il a déjà pris l'autre martini. Le martini est essentiel, pas le whisky, le martini. Le liquide est blanc, tu lèves ton verre, et tu la vois derrière le livre. Différence entre regarder l'aimer à travers le martini cocktail, où le verre à pied triangulaire est trop petit, et la regarder à travers le gin martini on the rocks, verre large, son visage se décompose dans le cubisme transparent du glaçon. L'effet redouble si vous approchez les deux verres, chacun avec le front contre le froid des verres, et entre front et front, les deux verres. Avec le verre à pied, impossible. L'heure brève du petit bar. Après, tu attendras en tremblant un autre jour. Et il n'y a pas le chantage de la certitude. Qui tombe amoureux dans les petits bars n'a pas besoin d'une femme toute à lui. Quelqu'un vous prête l'un à l'autre. Sa figure à lui, il lui accordait beaucoup de liberté. Il était toujours en voyage. Libéralité suspecte. Je pouvais téléphoner même nuit. Lui, il était là et toi pas. Lui me répondait que tu étais dehors. Mieux, vu que tu téléphones, tu ne saurais pas par hasard où elle est. Les seuls moments de jalousie. Mais même de cette façon, j'arrachais Cécilia au joueur de saxo, aimer ou croire aimer comme l'éternel prêtre d'une antique vengeance. Les choses étaient compliquées avec Sandra. Cette fois-là, elle s'était rendue compte que l'histoire me prenait trop. La vie à deux était devenue plutôt tendue. Il faut nous quitter. Alors quittons-nous. Non, attends, reparlons-en. Non, on ne peut plus continuer comme ça. En somme, le problème était Sandra. Quand tu fais Kibar, le drame passionnel n'est pas avec qui tu trouves, mais avec qui tu quittes. Intervient alors le dîner avec le docteur Wagner. À la conférence, il avait tout juste donné à un provocateur une définition de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est qu'entre l'homme et la femme, chers amis, ça ne colle pas. On discutait sur le couple, sur le divorce comme illusion de la loi. Pris par mes problèmes, je participais à la conversation avec chaleur. Nous nous laissâmes entraîner par des jeux dialectiques tandis que Wagner se taisait, ludiquement nous parlions, oublieux de cette présence de l'oracle parmi nous. Et ce fut d'un air absorbé, et ce fut d'un air sournois, et ce fut avec un désintérêt mélancolique, et ce fut comme s'il se glissait dans la conversation en jouant hors sujet, que Wagner dit, je cherche à me rappeler ses paroles exactes, mais elles se sont sculptées dans mon esprit, impossible que je me sois trompé. Dans tous les cours de mon activité, je n'ai jamais eu un patient névrosé par son propre divorce. La cause du malaise était toujours dans le divorce de l'autre. Le docteur Wagner, même quand il parlait, disait toujours « autre » avec un A majuscule. Le fait est que je sursautais comme mordu par un aspic. Le vicomte sursauta comme mordu par un aspic. Une sueur glacée perlait à son front. Le baron le fixait à travers les paresseuses volutes de fumée de ses fines cigarettes russes. Vous entendez par là, demandai-je, qu'on entre en crise non à cause du divorce de son propre partenaire, mais à cause du possible ou impossible divorce de la tierce personne qui a mis en crise le couple dont on est membre? Wagner me regardait avec la perplexité du laïc qui rencontre pour la première fois une personne mentalement dérangée. Il me demanda ce que je voulais dire. En vérité, quoi que j'eusse voulu dire, je l'avais mal dit. J'essayais de rendre concret mon raisonnement. Je pris sur la table le couteau et le mis à côté de la fourchette. Voilà, ça c'est moi, couteau, marié à elle, fourchette. Et là, il y a un autre couple. Elle, pain à tarte, marié à tranchelard, ou maquinesseur. Or moi, couteau, je crois souffrir, parce qu'il faudra que j'abandonne ma fourchette. Et je ne voudrais pas, j'aime pain à tarte, mais j'accepte volontiers qu'elle soit avec son tranchelard. Mais en vérité, vous me dites, docteur Wagner, que je ne m'aime parce que pain à tarte ne se sépare pas de tranchelard.
C'est bien ça ? Wagner répondit à un autre commensal qui ne l'avait jamais dit pareille chose. Comment ? Vous ne l'avez pas dit ? Vous avez dit que vous n'avez jamais trouvé quelqu'un de névrosé par son propre divorce, mais toujours par le divorce de l'autre. Possible. Je ne m'en souviens pas, dit alors Wagner ennuyé. Et si vous l'avez dit, vous ne vouliez pas entendre ce que moi j'ai entendu ? Wagner se tut pendant quelques minutes. Tandis que les commensaux attendaient sans même l'égoutter, Wagner fit signe qu'on lui versa un verre de vin, observa avec attention le liquide à contre-jour, et enfin il parla. Si vous avez entendu ça, c'est parce que vous vouliez entendre ça. Puis il se tourna d'un autre côté, dit qu'il faisait chaud et boucha un air de paix en agitant un gros sein comme s'il dirigeait un orchestre lointain, Maria, se concentra sur une tarte à la crème et enfin, après une nouvelle crise de mutisme, il demanda qu'on le reconduisît à son hôtel. Les autres me regardèrent comme quelqu'un qui a saboté un symposium d'où auraient pu sortir les paroles définitives. En vérité, j'avais entendu parler la vérité. Je te téléphonais. Tu étais chez toi et avec l'autre. Je passais une nuit blanche, tout était clair. Je ne pouvais pas supporter que tu vives avec lui. Sandra n'y était pour rien. Suivirent 6 mois dramatiques où j'étais sur tes talons, souffle sur le cou pour fliquer ton ménage, te disant que je te voulais tout à moi et te persuadant que tu haïssais l'autre. Tu commençais à te disputer avec l'autre. L'autre commençait à devenir exigeant, jaloux. Il ne sortait pas le soir. Quand il se trouvait en voyage, il téléphonait 2 fois par jour et en pleine nuit. Un soir, il te gifla. Tu me demandas du fric parce que tu voulais t'enfuir. Je rassemblais le peu que j'avais à la banque. Tu abandonnas la couche nuptiale. Tu partis à la montagne avec quelques amis sans laisser d'adresse. L'autre me téléphonait désespéré, me demandant si je savais où tu étais. Moi, je ne le savais pas. Et j'avais l'air de mentir parce que tu lui avais dit que tu le quittais pour moi. Lorsque tu revins, tu m'annonças radieuse que tu lui avais écrit une lettre d'adieu. C'est alors que je me demandais ce qu'il adviendrait entre moi et Sandra. Mais tu ne me laissas pas le temps de m'inquiéter. Tu me dis que tu avais connu un type avec une cicatrice sur la joue et un appartement très bohème. Tu irais vivre avec lui. Tu ne m'aimes plus. Au contraire, tu es le seul homme de ma vie. Mais après ce qui est arrivé, j'ai besoin de vivre cette expérience. Ne sois pas puérile. Tâche de me comprendre, au fond, j'ai abandonné mon mari pour toi. Laisse les gens vivre à leur rythme. À leur rythme, tu es en train de me dire que tu t'en vas avec un autre. Tu es un intellectuel et de gauche. Ne te conduis pas comme un mafieux. À bientôt. Je dois tout au docteur Wagner. Quiconque réfléchit sur 4 choses. Je dois donner signe de vie chez Garamond précisément le matin où ils installaient Aboulafia, alors que Belbo et Diotalevi se perdaient dans leur dissertation critique sur les noms de Dieu, et que Gudrun observait soupçonneuse les hommes qui intégraient cette nouvelle inquiétante présence au milieu des piles de plus en plus poussiéreuses de manuscrits. Asseyez-vous, Cachobon, voici les projets de notre histoire des métaux. Nous restâmes seuls, et Belbo me fit voir des tables des matières, des ébauches de chapitres, des maquettes de mise en page. Pour ma part, je devais lire les textes et trouver les illustrations. Je nommai quelques bibliothèques milanaises qui me paraissaient bien fournies. « Ça ne suffira pas, dit Belbo. Il faudra visiter d'autres endroits. Par exemple, au musée de la science de Munich, il y a une photothèque merveilleuse. À Paris, il y a le conservatoire des arts et métiers. Je voudrais y retourner, moi aussi, si j'avais le temps. Il est beau ? Inquiétant. Le triomphe de la machine dans une église gothique. » Il hésita, remit en ordre les papiers sur sa table, puis, comme craignant de donner une excessive importance à sa révélation, « Il y a le pendule, » dit-il. « Quel pendule ?»« Le pendule. Il s'appelle Pendule de Foucault. » Il m'expliqua le pendule tel que je l'ai vu samedi, et tel que je l'ai vu samedi sans doute, parce que Belbo m'avait préparé à cette vision. Sur le moment, je ne dus pas montrer un trop grand enthousiasme. Et Belbo me regarda comme qui, devant la chapelle Sixtine, demande si c'est rien que ça.